Bonjour! Après avoir parcouru la francophonie avec mes boules, phonotonique, pour répandre la bonne nouvelle tel un troubadour divertissant la populace, voici venu le temps tant attendu de vous présenter quelques usages à mettre en place dans vos classes. Marcher avec la pulsation. On peut pas commencer à parler de pulsation sans savoir ce que c'est. La pulsation, j'ai fait plusieurs vidéos dont je vous mettrai les liens qui s'afficheront par ici ou par là. En gros, c'est le boom boom qu'on entend très bien dans les musiques actuelles, notamment chez David Guetta. On va pouvoir se caler dessus et marcher en même temps que ce beat. On va commencer par secouer les phonotoniques pour entendre la musique. On va s'immerger de cette musique et essayer de secouer la tête en même temps que la pulsation. Et puis on peut commencer à marcher en même temps que la pulsation. Avec une autre banque de son, on ressent la pulsation, on secoue la tête en même temps, on pourrait aussi taper dans les mains mais c'est assez vite le bazar quand on a plein de petits loups en même temps, donc il vaut mieux garder tête et marcher en même temps que la pulsation. Dans l'application, on va pouvoir accélérer ou ralentir le tempo, c'est-à-dire la vitesse de la musique. Ça peut être intéressant aussi pour justement faire une évolution de la pulsation. Ça peut être rigolo de le faire en direct d'ailleurs. Là du coup, on va ralentir. Pour aller un petit peu plus loin, notamment dans le cycle 4, on pourra n'utiliser que le phonotonique qui fait la mélodie. Ce sera plus difficile de percevoir la pulsation, et donc un exercice un petit peu plus complexe. Voilà, c'est tout pour cette activité. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et à commenter la vidéo si vous l'avez appréciée. Ça me permet de savoir si je dois continuer. Si vous en voulez encore, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous ne raterez aucune vidéo. Et enfin, partagez cette vidéo, parce que ça fait plaisir. Voilà. Alors, est-ce que je sais jongler ? Ah ! Peut dire que j'ai donné de moi-même pour ces vidéos.